Coucou les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de vacances parce que là je suis en vacances et déjà je tenais à vous remercier parce qu'on est deux, enfin vous êtes 200 abonnés sur ma chaîne donc je tenais à vous remercier tous et toutes et là je vais vous faire la visite de l'appartement tour. Ça c'est pour aller directement à l'appartement. Alors je vous montre, il y a plein de fleurs. Je vous montre, il y en a encore. Regardez, elles sont bleues celles-là, elles sont jolies. Voilà, donc là c'est pour aller à l'appartement. Là, quand on rentre, derrière moi il y a la porte d'entrée. Ici c'est la chambre. Le frigo, la cuisine, là c'est les bagages. Hein. Là nous avons la salle de bain, coucou les gens, avec la douche, le toilette. C'est très sympa ça aussi là, hein. C'est très joli, hein. Je vous montre toute la déco. Donc on va ressortir la salle de bain. Et là donc nous avons le salon. C'est très joli, hein. Avec le canapé qui se met en lit. Donc là, recoucou les gens. Et là, je suis en tenue pour le sud, hein, pour les vacances. Donc là, nous avons une petite véranda. Ça, c'est très joli, ça. Enfin, même ça, hein. La table avec le palmier. Et là, donc à l'extérieur, nous avons un jacuzzi. Les bains de soleil. Le salon de jardin. Là, nous avons le barbecue. Avec une petite table. Et écoutez, je vais me taire, je ne sais pas si on va les entendre. Vous les avez entendus, c'est les cigales. Donc là, c'est vrai que ce bassin, on va ranger, mais avant, regardez, je fais la sorcière. Bon, oui. Bon, les valises, on va ranger, hein, parce que là, on a mis le bassin, regardez. Sur le canapé, on s'est installé. Je vous montre le balai. Je fais la sorcière ou je ne fais pas la sorcière? Regardez. Thank you.
les gens. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour, je vous montre, on était au marché ce matin. Déjà, on a pris un petit déjeuner au Vieux-Port. Et là, j'ai acheté en fait des cadeaux souvenirs. Je vais vous montrer. J'ai pris mon petit café parce que j'ai fini de manger. Et mon verre d'eau parce qu'il fait très chaud. Sinon, vous, comment ça va? Donc, je mets tout ça sur le côté et je vous montre les achats. Alors, j'ai pris des herbes de Provence. C'est fabriqué à Aubagne. Hein. Alors, là, c'est du vrai. Donc, le sachet. Et j'ai pris... Ah, alors ça, c'est mon petit cadeau. C'est un moulin. Alors, soit le monsieur m'a dit, avec la petite cigale, parce que... Et il faut les prendre une petite cigale. Et violette, forcément. Donc là, soit vous appuyez comme ça et ça tombe en pain moulu, si vous voulez. Ou sinon, vous tournez. C'est un moulin, tout simplement. Et donc là, herbe de Provence, il y avait de l'origan dedans, du thym, de la sarriette, du romarin. Et maison Cohen, 13 400 au bagne. Voilà. Alors, très joli ce petit moulin. Et donc, j'ai pris la réserve. Comme ça, je peux me le mettre. Il me l'a montré, mais je crois que j'ai pas très bien écouté ce qu'il m'a dit. Il faut enlever le petit bâton. Après, il faut faire attention au petit ressort. Je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Donc, ça, déjà. Je me suis pris. Alors là, attention. J'ai pris 6 savons. Alors. Alors, c'est au pain de Provence. Là, je vais sentir bon. Hein, parce que là, donc, pain de Provence, c'est marqué véritable savon de Marseille. Donc, lui. Attendez, c'est pas fini. Hein. Lui. Alors là, c'est marqué les savons d'Océane. Et c'est sieste à l'ombre. Ouais, c'est à l'ombre, ils sont bons aussi. Ah, de toute façon, je les ai tous choisis. Hein. Ah, je vais peut-être mettre les noms, comme ça. Là. Après, j'ai pris savon de Marseille à l'aloe vera. Artisan de Provence. Bah, ça sent l'aloe vera. Hein. Après, j'en ai pris un autre. Fleur de coton. Celui-là, c'est mon préféré. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé en premier. Hein. Après, j'ai pris argile verte. Donc, argile verte, ils sont bons aussi. Je pense que ça sera le deuxième. On verra. Ou peut-être, on verra. Et le dernier. Le dernier, c'est à. D'accord, bah là, c'est marqué juste Provence. Extra doux. Pur savon de Marseille, fabrication artisanale. Savonnerie aubanaise. À Aubagne. Voilà, donc tout ce qui est, c'est tout noté, mais là, je ne sais pas exactement la senteur. Bah, c'est juste marqué Provence. Ouais, Provence, ça sent bon aussi. Voilà. Et là, donc, du coup, bah, j'ai une boîte, le monsieur m'a mis une boîte pour me dire exactement ce qu'il y a dessus. On est bien là niveau savon. Si je vous les mets comme ça, est-ce que vous voyez? Je sais pas, je vois même pas le que je fais. Ah, mais vous êtes pas tout voir. Elle me chatouille le bras, on est pas mal. On est bien là comme ça. Si je vous les mets comme ça. Voilà tous mes savons. Et tout ça là, les 6 savons, 10 euros. Voilà. Mais je vais essayer de me les mettre. Ça soit pas collé parce que. Du coup, j'aurais dû demander un papier pour pas que ça soit que l'odeur elle se mélange. Enfin, nous sommes allés parce que je suis pas toute seule. Dans un petit. Alors, c'était rue des Poilus. C'est rigolo comme nom, rue des Poilus. Il y avait un magasin de pâtisserie. Alors, la spécialité de la Ciotat, c'est les navettes. Donc là, moi, j'ai pris une navette au caramel. Je ne l'ai pas goûté, hein, donc je sais pas. Après,
J'en ai pris nature parce que je voulais goûter nature. Donc bah là. Alors ça c'est ma fille, c'est pas une spécialité d'ici, mais c'est des caramels. Voilà. Dans la rue des poilus, je vous. Et là, alors là, je vais vous montrer. Parce que là, le sac, voilà. Il est rempli. Parce que moi, évidemment, tous les magasins comme ça, c'est mon péché mignon. Alors je vous montre. Là, il y avait ça. Évidemment, lavande, hein. Produit en France, c'est marqué en Provence. Voilà. Donc il y en a 4. Ça, c'était 4,90. Après les autres, je pourrais pas vous dire de nom parce que ils me les ont enlevés. Enfin, les prix. Lesquels ils sont? Après, j'ai pris. Ça, c'était jaune. Et j'ai pas le prix. Il n'a pas mis. Ah si, 9,90, il me l'a laissé. C'est joli ce petit arbre de vie. Je sais pas si vous l'avez mis en bois. Alors là, voilà, à poser sur une table, c'est très beau. Ça, on en parle ou pas? Regardez. Nous avons une cigale. C'est le poivre. Ou le sel d'ailleurs. Et là, pareil, ah bah ça c'est des colis. Ça fait joli sur une table ou comme ça. Et se discute. Voilà. Bon, j'ai l'étiquette qui s'est sauvée. Ça, je sais plus c'était combien. Alors ça, moi je connaissais pas. Il y a dedans des carrés démaquillants lavables. Premier kit complet, pratique et économique pour remplacer les coquilles jetables. Dedans, nous avons donc les 15 carrés. C'est fait en eucalyptus. Une boîte de rangement et un filet pour la machine à laver. Voilà. Ben d'ailleurs, c'est la boîte là. La boîte. Ah, je ne vous ai pas montré. Je me suis pris au marché un petit bracelet aussi. Alors, c'est un acier inoxydable. Évidemment, il faut le prendre avec un petit arbre de vie. Voilà, acier inoxydable, il nous a dit monsieur. Et j'en ai pris deux à ma fille, mais elle les a sur elle. Voilà, donc là, moi je vais aller au jacuzzi. Je vous dis, eh ben, soit plus tard ou soit à demain. Mais je pense que faut que je rachète des cadeaux souvenirs. Donc voilà. Et dans l'après-midi, ou ben, je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo, bonne soirée, bonne matinée. Voilà. À bientôt.